Gaïa est un centre de prise en charge de personnes en situation d'handicap issues pour la majorité de familles nécessiteuses de la région de Sidi Thebte et quartiers avoisinants. C'est un centre qui se trouve sur 7 hectares. Donc c'est pour vous dire l'intérêt que nous portons sur l'environnement et sur la nature, sur le bien-être de nos bénéficiaires. Nous assurons à nos bénéficiaires une prise en charge éducative et thérapeutique et une prise en charge par les méthodes alternatives telles que l'animal et la thérapie par l'art. Le projet Redo a vraiment tombé à pic dans notre vision de l'environnement et de le respect de l'environnement et de la nature. Et il nous a permis d'associer et respect de l'environnement et activité économique. Ça nous a permis de mettre en place une serre en hydroponie. Alors l'hydroponie, c'est une culture qui nous permet une économie de 70 à 90% d'eau. C'est un circuit fermé en eau. Donc grâce au projet Redois, on a pu mettre en place et une formation pour nos PSH, pour nos bénéficiaires en hydroponie et une serre. اسمي أليز السبيعي. نقرا في سنتر غاية. اختصاص زراعة المائية. جيبوا ثلاثة في من مشتلات وبعدها كنحهم متراب بعدها نخسرهم مليح وبعدها نحطهم في المحابس وبعدها كنحطهم في الأنابيب بعدها كنعبوا الخزانات في الماء وبعدها نحطهم محلول غذائي على هذاك كل يوم قيسوا البياش والأوسي ونحو نوارة زيدة. La serre en hydroponie nous a permis, entre autres, de développer, de mettre en place une activité génératrice de revenus qui nous permettra par la suite d'assurer la pérennité de ce projet et de continuer à inculquer, même aux promotions futures, le respect de l'environnement. Ça nous donne les moyens de continuer dans ce sens et d'inculquer à nos bénéficiaires ce respect de l'environnement et faire en sorte que nos bénéficiaires deviennent des ambassadeurs auprès de leur famille et auprès de leur entourage extérieur à la ferme.